aujourd'hui, c'était la deuxième édition du Speed Apprentis. Donc le but du Speed Apprentis, c'est vraiment de faire en sorte que les gens se rencontrent et échangent de manière très très concrète. Donc l'idée, c'est simple, on a des speeds qui sont des rencontres de 6 minutes chacune, avec des binômes qui ont été tirés au sort ou qui ont été construits via des requêtes. Et l'idée, en fait, c'est vraiment que les gens échangent. Donc on leur laisse 6 minutes, c'est assez court, c'est un petit peu frustrant, mais en même temps, ça permet aux gens après de prendre des rendez-vous plus rapidement pour continuer leur conversation. Donc en amont, en fait, on a préparé une espèce de book avec les photos et les profils des gens pour que les personnes puissent préparer tout simplement au mieux le speed athlétisme. Bah, c'est de prendre contact avec des gens de différents horizons déjà, la majorité d'entre eux viennent du Cameroun. Et en général, quand j'ai des contacts avec des Africains, c'est plus ma famille et donc des Sénégalais. Et sinon, dans le cadre de l'école, je perds un peu cet aspect exotique. J'ai été généralement satisfaite. Dans le sens où j'ai rencontré des personnes avec qui je pourrais travailler dans le cadre de Route Magazine, mais aussi dans le cadre d'un travail personnel. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ce que ça m'a apporté de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer des personnes surtout intéressantes, que ce soit humainement ou professionnellement. Et ça m'a permis donc, de créer des contacts que je vais suivre et entretenir sur du long terme. C'est-à-dire qu'on a découvert, par exemple, des associations. Moi, étant dans le domaine des ressources humaines, j'ai découvert des profils intéressants pour un futur proche, par exemple. J'ai apprécié la liberté de mouvement et d'expression. J'avais peur que ce soit un petit peu trop, calibré. C'est-à-dire que chacun doit aller à tel endroit, trop strict. Et là, c'est vrai qu'on a pu tous échanger. Bon, bien sûr, il y avait des binômes qui étaient plus ou moins prévus, préconçus à partir du book qui nous a été envoyé avant. Mais c'est vrai qu'on pouvait tous, chacun, aller voir qui on voulait, comme on voulait. J'ai surtout apprécié les présentations publiques de chacun devant tous, parce que ça permettait vraiment une facilité de... Ça permettait ensuite, comme durant les speed dating, d'approfondir tout de suite la connaissance. De moins perdre de temps au niveau des présentations générales et d'arriver tout de suite au concret. Un succès, de nombreuses rencontres et des profils intéressants, une satisfaction générale de la part de l'ensemble des participants à cette édition.